Si on passe notre temps à filmer tout et n'importe quoi, on n'est pas rendu. Bah, et après, tu seras content de regarder la vidéo. Oh, tu parles, alors, les vidéos, on voit jamais rien. Allez, soleil, flair, fin du plan. L'Icateret, pittoresque bourgade de la Haute-Soule, qui a su conserver ses traditions, est le théâtre depuis 1953 d'une compétition automobile d'un genre unique, le circuit des Cimes, réservé aux véhicules tout-terrain et organisé par l'Automobile Club Basco-Béarnais avec le concours de la Mobil Oil française et sous le patronage de l'Argus de l'Automobile. Bon, alors le rallye des Cimes. Revenons rapidement. Le rallye des Cimes, la planète. Les Cimes, c'est vraiment un rallye, c'est le plus mythique des rallyes du championnat. C'est le plus dur, c'est le plus beau, c'est le plus vieux. C'est vraiment un. Il y a toujours un vieux dans nos interviews. Ouais. Je l'ai déjà dit une fois, c'est le plus vieux. Hein ? Non. Ah, c'est plus vieux. Ah, c'est une blague. Plus vieux, ouais. Ah, c'est de l'humour. C'est un jeu de mots. C'est un calembour. Ah, t'es marrant, toi. Ouais. Hein. J'écris des charades aussi, des fois. Vas-y, fais une charade. Non. On roule depuis un moment, on a gagné quelques rallyes, c'est cool, mais l'objectif, il y a deux objectifs, clairement. Ça de gagner les Cimes. Oui, j'ai calculé hier. Allez, on va dire qu'il reste trois objectifs. Premier, c'est d'essayer de gagner le Dunay-Marais parce que c'est le rallye de notre enfance, c'est chez nous et que ça serait vraiment un rêve. On a failli l'année dernière. Du coup, on a été disqualifié pour une sombre histoire de tableau de bord. De gagner les Cimes, franchement, c'est vraiment un objectif parce que le Dunay-Marais, c'est chez nous, mais on va pas se mentir en termes de pilotage. De performance, on va dire. Je trouve pas, surtout en SSV, que le Dunay-Marais ce soit le rallye le plus technique de l'année, quoi. Ouais. Donc ça ressemble un peu à la NASCAR, quoi. C'est tout droit, 90 gauche, tout droit, 90 gauche. Disons que là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de reconnaissance avant de connaître la spéciale par cœur. Ouais. Et après, voilà, l'objectif, ce serait d'arriver à gagner le Dunay-Marais et donc de gagner les Cimes. Et si possible, un jour, pouvoir gagner un rallye au général, si possible, avec un truc qui a... Clos. Ouais, avoir deux leviers. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc là, on va avoir l'idée Cimes en se disant, bon, cette année, on n'a pas trop mal roulé. Même si les autres furieux dans notre catégorie, ils ont quatre fois plus de rallye que nous dans les pattes ou presque. On va voir ce qui est jouable. Et puis ça reste les Cimes. C'est un rallye compliqué. Personnellement, la montagne, ça me gagne. Un petit comique de situation. Non, mais en gros, le rallye de montagne, moi, je suis à l'aise. J'aime bien. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh. Le rallye de montagne, c'est un pilotage qui me va bien. C'est des sensations que j'aime beaucoup, où je suis à l'aise. Donc, je me dis, bon, il y a peut-être moyen d'aller gratter une petite coupe. Ouais, petite coupette. Petite coupette. Sauf que, on est censé normalement partir en voiture le mardi, commencer les recos mercredi, jeudi, les vérifs techniques et le prologue vendredi, et rouler le rallye samedi, dimanche. Ouais. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça, parce que l'intro est comme un... J'appelle pour commander des pneus neufs. Allô ? Le mercredi d'avant, ouais. Et le monsieur des pneus me dit, ah bah pas de bol, en 14, j'ai tout vendu. J'en ai deux sur... Ah non, mais moi j'en veux 6, hein. Déjà hier, je n'en avais plus. Terminé, J'en aurai que dans 3 semaines. Et nous, il faut savoir que notre parc de jantes et de pneus, mais bon, là, on aurait pu se satisfaire d'avoir que des pneus, il est littéralement rincé. Nul à chier. C'est-à-dire qu'on n'a plus un pneu avec une tétine, tout est mort, tout est soit crevé, soit lisse, soit c'est un enfer. Les jantes, elles sont cassées, ressoudées un nombre de fois incalculable. Ça n'est pas illuminé, c'est de la merdasse. C'est des pneus tubeless, on doit mettre des chambres à air dedans pour pas que ça fuit. Donc là, la colle. Alors là, la colle. Donc, premier signe du destin, on se dit, tiens, ça part pas gagnant l'histoire. La solution vient de chez Quadbike Evasion. Comme toujours. J'ai envie de dire. En plus, on en profite, la réglementation maintenant nous autorise à passer en 15. On est en 14, ça fait des jantes un peu plus grandes, donc des roues potentiellement un peu plus hautes, un peu plus grandes. Ça nous donne normalement un peu plus de points de vitesse, mais à mon avis, ça reste à prouver quand même cette histoire. Écartez-vous ! Je fends l'air comme un obus ! Ouais, parce qu'il faut les emmener. Bon, après, il y a plus de marge entre la jante et le... Et l'étrier de frein. Et ça, c'est pas un mal, parce que... Ouais, parce que prendre des pierres dans les jantes, ça défonce tout. Puis t'as l'impression que tu viens de faire soit un moteur, soit une boîte. Enfin, c'est un enfer. Louis a donné un rein et moi un bout de foie. Bah, et le docteur, il a dit qu'on pouvait vite très bien comme ça. C'est vrai. Et donc, on a commandé 6 pneus.
6 jantes en 15. Donc un jeu complet, mettre sur la voiture et deux roues de secours, ce qui est un peu le minimum. Et des pneus en 30, un peu renforcés, parfait pour les sims, quoi. Donc ça, c'était cool, c'était réglé, on avait nos jantes, on avait nos pneus, on a fait la voiture, purger les freins, parce qu'il a fallu régler un problème de frein au dernier moment. Mardi tantôt, la voiture, elle était prête. Donc mardi tantôt, voilà. Donc nous, on était presque prêts à partir. Voilà, on pouvait, même avec ce problème de pneus, on pouvait quand même espérer faire un peu de reco, prendre la température là-bas et partir de bonne heure. Sauf que là, on a eu un problème de transport de quad au dernier moment. Pas possible de faire transporter le quad, pas possible de le transporter nous-mêmes. Donc la solution de facilité habituelle, on se dit, bon bah, pas de reco. On va se le faire à l'ancienne. Pas de reco. Pas talent. De reconnaissance. C'est pas comme si je l'avais fait qu'une fois en 2020, que toutes les spéciales avaient changé et que c'était le rallye le plus compliqué de l'année. Hein. On va pas se mentir. Mais bon, au final, vaut mieux rouler sans reco que de pas rouler du tout. Voilà. C'est un peu ce qu'on s'est dit, quoi. Jeudi matin, donc on avait chargé la... Enfin, il restait les trois conneries de la vidange à faire. Ouais, vidange des ponts, et puis c'était bon, quoi. Il y avait plus qu'à charger la voiture. Jeudi matin, à 8h, mon père m'appelle. Bon, ça, c'est d'habitude. Il a toujours l'habitude de m'appeler le matin pour pas grand-chose à part me réveiller. Et là, il me dit oui, on a un problème, le pont avant, il est mort. Il est cassé. Je dis, ouais, c'est ça, bien sûr, très bien, allez, lâche-moi la grappe. Je dors. Arrête de me raconter des conneries. C'est quand j'ai fait le niveau, j'ai ouvert le bouchon du niveau, et là, je voyais un petit bout de ferraille. Je dis, ça, c'est pas normal. Et en fait, je l'ai attrapé avec une pince, j'ai tiré, et là, j'ai sorti le clip du roulement, ça fait un grand fil de fer, qui est grand comme ça. Sympa. Et donc là, j'en ai déduit qu'il y avait un gros problème. Là, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, un petit malentendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors là, super, parce que le pont avant, c'est une pièce importante quand même, voire primordiale. C'est une pièce qui est encore coûteuse, qui est chiante. Alors, c'est pas très chiant à changer, surtout qu'en définitive, c'est pas nous qui le faisons. Mais bon, faut quand même s'en occuper et tout. Puis c'est la galère, quoi. On était censé partir... le soir même, quoi. Bah, moi, j'ai dit à mon père, bah, tu sais quoi, le destin, l'océan ne nous veut pas aujourd'hui. La montagne ne nous veut pas. Voilà. Donc, on y va. Je t'ai envoyé un message en te disant, pont HS avant. On reste à la maison. On reste à la maison, on va aller faire du vélo. Il y a Guy. Guy. Comment ça se prononce? Guy. Et d'où venez-vous? Il y a Guigui qui m'appelle, le mécano de chez... Enfin, le magasinier... c'est plus gay. Le magasinier de chez Quadbike qui m'appelle et qui roule aussi avec nous, champion de France 2023. À l'heure où nous écrivons ces lignes. Des lignes qu'on n'écrit pas, mais qu'on dit. Qu'on raconte. Ça va pas vous plaire, c'est en latin. Il nous appelle, il me dit, ouais, putain, c'est con, vous venez pas et tout. Je dis, bah non, on a une galère de pont avant. Il me dit, bah, au magasin, il en reste un pont avant. On appelle, un coup de fil, deux coups de fil, Vincent, Romain, de chez Quadbike, si, ok, on a un pont. Bon, bah, résultat, je rappelle Louis, je lui dis, bah, écoute, faut que t'aies cognac. Faut que tu donnes ton deuxième rein. Je crois que là, il va falloir que tu vives avec autre chose. Donc, on est allé chercher chez Quadbike un pont. Merci encore à eux de nous avoir sauvé la vie, c'est le cas de le dire. Enfin, du moins, c'est grâce à eux qu'on a pu rouler. T'es allé chercher le pont, mon père a démonté l'ancien, tu lui as ramené le neuf, il l'a chargé. On a chargé la voiture. Et on est parti. Et on s'est paré. Donc là, on fait quelques reconnaissances. Histoire de voir à peu près où on va mettre les souliers, quoi. Parce que bon, remettons les choses dans le contexte. Nous sommes jeudi. Il est... Il est 17h57. C'est-à-dire que les autres sont passés au minimum 3 fois partout en quad. Nous, voilà. On est encore à Bordeaux. On est à Bordeaux en train de recharger. Il y a moins de 5 heures, on n'avait plus de pont avant. Ça serait bien que ce soit pas... Genre que le destin n'ait pas voulu nous faire comprendre que... C'est vrai qu'il fallait pas y aller, quoi. Beaucoup de signes avant coup. À un moment donné, il a dit, ah, putain, mais les gars, vous êtes cons. Hein. Vous êtes bornés. Les signes, je les ai envoyés. On vous avait dit. Hein. On vous avait dit. Parce que qu'est-ce qu'on a eu? Pas de quad, pas de jantes, pas de pneus. Pas de pont. Pas de palais. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. On était quoi, les derniers au roadbook à aller chercher? Oui. Ils disent ce qu'il y a dans le... T'as un flair sur la tête, c'est beau. Tu veux pas dire un truc d'intéressant pour que je puisse utiliser ce plan? Et ben là, je suis en train de consulter la page Facebook du Rallye des Cimes afin de savoir où nous allons récupérer notre roadbook qui nous sera indispensable pour le week-end. Tu veux le petit foin? Ferme la porte, on y va. Qu'est-ce qu'il veut le petit armoire? J'ai envie d'un café, je veux déjeuner, allez. Mais moi aussi, j'ai envie d'un café, je veux déjeuner. Oh, là. On va déjeuner alors, allez. On va être donc stressé là. Eh ben on y va. Mais pourquoi il a... me stresser, espèce de grosse dinde. Mais pourquoi il a éteint la télé, le petit ramoneur?
Et pourquoi il a jeté d'Eric? Ils ont défenestré d'Eric, maman. Pourquoi il m'a hurlé dessus, le petit Ramoneur? Non. Ah bah, il n'y a plus que nous. On est... Ah non, il y a le 461. Ah. On est 102 équipages et on est les ouais. avant-derniers à récupérer le roadbook. Ah. T'es en avance toi, non? Ouais, on va pouvoir faire le reco, c'est bien. Gagnant. Delboui. Eh oh. Bah, j'ai... Mon objectif, il a été nettoyé au gras de jambon. Ça fait un petit effet, c'est sympa. Après, bah voilà, la routine habituelle, les vérifs techniques le matin. Et la première spéciale, peut-être la plus dure, du moins la plus dure en termes de revêtement de sol. Dès le vendredi soir. Ouais. Là, le problème de faire un prologue, c'est que t'as une spéciale. Cette spéciale-là va déterminer l'heure de départ du lendemain. Et en plus, ils annonçaient un temps d'enfoiré. Et donc, ça voulait dire que celui qui allait partir devant, il allait un peu balayer la merde pour les autres. Théoriquement, celui qui faisait le meilleur temps le vendredi soir, essuyait les pots cassés le samedi. Théoriquement. Et théoriquement, c'est pas la position que tu kiffes, quoi. Balayer, c'est pas fou. Donc, la stratégie, c'était de se dire, on essaie de faire en sorte de ne pas faire le meilleur temps dans la première spéciale. On s'était dit 4-5, ce serait bien, pour éventuellement pas ouvrir le samedi et potentiellement profiter d'une position plus avantageuse. C'est celle qu'on a reconnue vendredi, ça. On a reconnu. De quoi ouais, tu ça fait un peu surprise, quoi. Quand tu reconnais pas, du coup, tu reconnais... Bah, tu reconnais pas, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de poulailler là? C'est vrai comme ça. C'est vrai qu'on dirait un pigeon un peu. Bonjour. Donc, les mains 10h10. Contrôle de rétro, bon, y en a pas. BNC aux portes. Merci. À combien on part? À 30. À 30? Ok, bah allons-y alors pour 30. 5 secondes. Ouais. C'est le temps que tu dures au lit. Ah. Ah là, tu suis le chemin. Jusque là, c'est pas très compliqué. Ok, là, tu suis toujours le chemin. Et en haut, il y a une épingle. Il faut suivre le chemin. Quand on est arrivé en haut de la spéciale, on savait qu'on avait plutôt bien roulé. Mais... Bon, on n'a pas... On a roulé quoi. Après, ouais, on n'a pas attaqué. De toute façon, c'était pas une spéciale où t'avais envie d'attaquer. Ouais, voilà. T'as pas envie de te mettre au tas dès le vendredi, parce que mine de rien, ça peut arriver. J'ai un exemple. Arrivé en haut de la. Il y avait une dernière montée. On s'est demandé s'il fallait pas qu'on freine. C'est vraiment le meilleur feeling avec ce train. Avec ce train là. Oh là là, mais je t'aime quand tu fais des choses comme ça là. On s'est mis trop large. Est-ce que t'en penses en freine ou pas? Non. Bah, le voyant moteur, le voyant descend, c'est le voyant de température. Bah, c'est pas mal. Plus qu'un et on fait un sapin de Noël. Et puis bon, c'est quand même un peu pas naturel de freiner avant un point stop, quoi, mine de rien. Ouais, non. Voilà. Enfin, donc, avant la cellule. On sait qu'avant un point stop, on freine quand même. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des jours. Quand t'as des freins, tu peux freiner. Quand t'as pas de freins, à la fin d'une spéciale, bah, tu t'essaies de t'arrêter dans ce que tu peux. Tu une table de commissaire. Tu fais un grand geste au commissaire. Voilà, un camping-car. Voilà. Bref, c'est un autre sujet. Résultat. Résultat, scratch. Pour 8 dixièmes, super. 8 dixièmes. Donc ça veut dire que les connards qui allaient ouvrir la piste le lendemain... C'était nous. Monsieur Pierrodo, vos impressions après cette première spéciale? Oui. Alors, au niveau respect de la stratégie? Bah, comme chez Ferrari, on ne respecte pas la stratégie. La stratégie est mauvaise, on change la stratégie, c'est quand même mauvais. Donc, petite présentation de nos camarades comédiens de théâtre qui œuvrent dans cette pièce avec nous. Si vous avez... Quel enfer, mais quel enfer. Mais je fais un vlog, ah. Allez, dis vlogon, dis bonjour à ta commu. Bonjour. Bonjour Jordi. Tu es beau Guillaume. Oui je sais, le plus beau du championnat. Au revoir. Oui. Regardez comme c'est beau. Ensuite, ici nous avons Philippe Perret, qui est le président de Curious Steam. Ici vous avez notre ami Valentin Giraud. Alors, le vlogueur vlogué mon gars. Moi aussi je vais faire des vlogs. Tu fais des blagues? Ouais. Et eh ben bon vlog. Et eh ben merci. Donc le vendredi, écoute, pas mal. Oui. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étrange.
entre le vendredi soir et le samedi matin. D'un point de vue climatique. Oui, tout voilà. à fait. C'était une sorte de... Comme par exemple quand tu prends une douche, tu vois, ouais. mais que c'est sur toute une région, quoi. Voilà, et pendant longtemps. Ouais, et que les ampoules de la salle de bain, elles font, tu sais, elles clignotent comme ça. Ah ouais, comme la discothèque. Voilà. Ça faisait un peu une sorte de soirée mousson, quoi. Voilà. C'est pas la soirée mousse, c'est la soirée mousson. Alors, il est tombé 20 mm, je crois, un truc comme ça, sur partout. Genre, c'était, il a pas arrêté de pleuvoir toute la nuit. Toute la nuit, il y a eu de l'orage, c'était une dinguerie. Et on est passé d'un terrain sec, mais genre, c'était vraiment sec et poussiéreux, à un truc où c'était une dinguerie. Samedi matin, 7h40. 6h40, il est. Oh, pardon. Oui, 7h40, il est tombé un petit peu d'eau cette nuit. Voilà. Et bon, rien d'incroyable. Je m'éclipse tel un Bernard l'Ermite. On va aller faire une transition chouette là-dessus. Alors, il a bien dormi. Il se sent prêt à aller faire ce qu'on appelle... J'ai même pas eu peur de l'orage. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible qu'on nous nomme Dicky. Drifting. Il va falloir jouer de la... Qu'est-ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui? Une petite reine? Une calzone? Ouais, j'aime pas les calzones. Non, non plus. Ça ressemble à un chausson aux pommes salées. À cause de lui, là. Quoi? On part premier, là. Si, ça va être la sauce, hein. Oh, moi, la paix. Oh, bah voilà, il se dédouane, maintenant. Ah bah non, faut l'assumer, hein. Je te l'avais dit de ralentir. Quel culot. Comment tu la vois cette journée, toi? Avec les yeux? Humide. Ça va être mouillé. Après, normalement, sur le mouillé, on n'est pas si dégueulasse. Ouais. Dans le gras, de toute façon, Tonton Lockman nous a dit depuis... 2016. Depuis des temps, 2016, le gras, c'est la vie. Il a dit quand le gras tombe, les T1 aussi. Ça c'est les Rally 2. C'est les pauvres gars qui dans la salle spéciale d'hier ont eu une emmerde et du coup bah ils reviennent se remettre dans le parc pour partir en super rally, donc ils sont plus classés mais ils peuvent rouler quand même. Ils ont rempli une petite fiche de réintégration. Ah, rien d'en parler, ça me... Ouais, nous, c'est la désintégration ou rien. Voilà. Pas de réintégration. Nous, on veut rien réintégrer, nous. On veut désintégrer ou... Là, vous avez la Jet Set. Là vous avez les Guest Stars. C'est pas le Vito qui fait ce bruit-là. Louis, je te paye une chocolatine si t'arrives à lire le nom du garage en une fois, là. Maintenant, tout de suite, hein. Allez. Ah, exit chez Ferry. Tellement bien que le samedi matin, quand on est arrivé au départ de la première, ils nous ont dit, bah les gars, faut vous arrêter là parce que les commissaires, ils arrivent pas à monter avec les 4x4 dans la spéciale. Le tricolore et il arrive pas au bout. Donc ça, voilà, ça commençait bien, première spéciale du samedi matin, on a attendu je crois une demi-heure au départ avant de partir. Ici Cricket Rockwell, en direct de la tombola de l'hôpital de Saint-Andrews. Et voici le petit Trixie qui a vendu pour plus de $100 de biscuits. De biscuits sécables. Comment comptez-vous utiliser l'argent recueilli? Des biscuits Tiki. La drogue, les gigolos, lavez mon fils, espèce de sale pécheresse. Donc on part dans la première, là, franchement très bon feeling encore une fois, c'était ouais. Hyper dangereux, hyper glissant, vraiment chaud patate, mais un peu sur la retenue, mais franchement on a fait une bonne spéciale. Ouais. Puis ça a déroulé pas mal, qu'est-ce qu'il y a, on s'est pris un petit muret,
légèrement. On a fait une légère touchette dans un muret. Ouais, mais... et problème de lave-glace aussi. Et problème de lave-glace qui ne poussait pas. Pas de... Mais franchement, première spéciale, bon feeling, pas d'emmerde. On fait le scratch avec 17 secondes d'avance, je crois. Donc la première passe, là on avait deux spéciales enchaînées sans assistance. Donc celle-là, où on fait le scratch. On va dans la 2. La 2, j'aimais moins déjà en termes de rythme. Ça partait dans un... Ça partait sur ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire des chemins en herbe. Donc quand les chemins en herbe, ils sont bien pourris, bien enherbés, quoi. Ouais, glacis. Glacis. C'est un enfer, donc ça fait des luges, enfin bref. Donc j'aimais pas trop celle-là. En plus, on se fait une marche arrière de l'anthologie et vient la première des problématiques qu'on a eu tout le week-end, cette putain de marche arrière qui va pas passer. Ah ouais. Non, vire. Marche arrière, s'il vous plaît. C'est bon. Marche avant, s'il vous plaît. Marche avant, s'il vous plaît. Vas-y. Marche avant, s'il vous plaît. Putain. Oui, Yankee, là, putain, je t'en supplie, Yankee, là. Oui, oui, bah, elle voulait pas se mettre. Ce qui nous a valu pas mal de colis fichés. Oui. Durant tout le week-end, ça a été un sujet de Discord, voilà. Disons-le. Disons que ça fait saturer le micro de la radio. Et du coup, voilà, ça, dans cette spéciale-là, on se fait une marche arrière à la con, on perd énormément de temps pour remettre la marche avant, donc on fait le deuxième temps à 14 secondes de Pierre, je crois. Ouais. Donc on était toujours devant, mais à 3 secondes 6 de Pierre, donc on s'était bien fait remonter quand même. Ouais. On va à l'assistance, et là on part dans la fameuse Saint-Grégoire. Saint-Greg. Donc là, les deux spéciales d'avant, c'était pas des spéciales de plaine, ça reste de la montagne, mais c'est pas non plus des flancs de montagne, ça reste du vallonné, mais c'est pas, y a pas de ravin. Il y a un peu de dégagement si on sort. Voilà, tu peux te permettre de faire quelques folies. Mais... Ouais. Mais là, Saint-Grégoire, c'est un peu pas explique, quoi. Surtout ouais, sur la fin. Ouais. C'est des pistes pas très larges, avec un ravin à gauche et des cailloux aiguisés sur la droite. Il faut essayer de passer entre les deux, quoi. Voilà. C'est beau, par contre. C'est très, très beau. Et à mon avis, sèche, cette spéciale, elle doit être relativement incroyable. Et là, c'est la colle, parce que dans celle-là, ça part relativement... C'est un peu le festival... Des emmerdes. Ouais. C'est la spéciale de l'ASMR. Nous sommes à la spéciale Saint-Grégoire. Imaginez-vous une petite cascade d'eau. Chut. Imaginez-vous les petits graviers ruisselants sous les pneus de Technos qui t'en trottent. Ça va bien. Ça va bientôt être le départ. Oui. Je crois que ça va être le moment de mettre du gaz. Es-tu en 4 roues motrices? Oui. 99. Nous sommes en 4 roues motrices. Qu'est-ce qui dit 99? 4 roues motrices. Travis Pastrana, annoncé 199. Tout à fait. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que Tronda avait abandonné. On fait de la ASMR. On part quand du coup? On part à quelle heure? J'en ai marre. Moi aussi. J'ai très envie d'y aller. Aussi. J'ai un peu faim aussi. Ça te m'étonne pas. 10 secondes. Ok. 4, 3, 2, 1. En avant. On est passé dans des sales baignoires où pendant une seconde, même si t'as les essuie-glaces à fond, t'y vois plus rien. Les équerres droites qui sont vraiment hyper serrées, les épingles, c'est même des épingles. Ouais, des épingles. Les épingles qui sont hyper serrées, et puis, tu sais pas où tu vas, donc tu les attends pas, donc t'as pas le temps de placer la voiture, donc t'es encore en train d'essayer de faire une marche arrière. Non. Cette putain de marche arrière. Tu passes pas. Voilà. Donc tu fais saturer le micro. Non, attends, laisse. Vas-y, mets la marche arrière, Luc. C'est bon. Marche arrière, Luc, s'il te plaît. Oui, bah, j'essaye. Vas-y, mets la marche arrière. Mais oui, Luc, mais qu'est-ce que tu crois que j'essaye de faire? Gueule pas. Mais non, mais je fais que ça. Et donc là, sur la deuxième épingle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à passer en marche arrière. On a fait la marche arrière. Impossible de remettre la marche avant. À un moment donné, la marche avant, elle se renquille. On fait quoi? 20 mètres? Ouais. Et en fait, là, il y a un... Mais je pense que c'est l'endroit qui était pas bon. Ouais. Il y avait un problème... Une espèce de malédiction. Ouais, la transmission ici, elle devait pas se sentir à l'aise. Il y avait quelque chose qui faisait que ça le faisait pas. Donc, on est en marche avant. Je remets du gaz à fond pour essayer de continuer la spéciale, quoi. Et on grimpe un peu. Et au fur et à mesure qu'on grimpe, la voiture, elle... Mmh, ouais, c'est un ça. Espèce de... Voilà, comme un léger bruit de courroie qui se serait fait la malle. Voilà. Ou un cardan qui pète, ou un truc comme ça, quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a coupé la courroie.
Oh non. Donc là, on est passé d'un moment extrêmement triste. Ascenseur émotionnel. Voilà. Je crois que j'ai été touché. Ah non, c'est rien. À un moment donné, on se dit, ok, bon bah là, on va à l'arrivée. 3 mètres plus loin, on tape un caillou, on crève. Voilà, ouais. Ça nous fait un gros blablam, on crève. Voilà. Oh putain, on a rejoué. L'important c'est d'arriver. Bref, dans cette spéciale, sans trop savoir pourquoi, on a pété 2 triangles, on a crevé et on a perdu, je crois, peut-être 17 ou 18 secondes. Juste dans la marche arrière. Ouais, juste dans la marche arrière. Donc en gros, 3e spéciale de merde. Là, on perd 40 secondes. Et honnêtement, j'étais persuadé qu'on en avait perdu beaucoup plus quand je suis arrivé au point stop. On perd 40 secondes sur Pierre, donc Pierre nous repasse devant. Heureusement, on avait un peu d'avance sur le 3e. Je sais plus qui c'était qui était 3e. Aramburu, je crois. Ouais. Ils avaient un peu d'avance, enfin on avait un peu d'avance sur eux, donc bon, on s'est fait distancer par Pierre, mais on est toujours 2, et on est toujours là, quoi. Ce qui était déjà en soi un miracle, parce que nous, on n'y croyait pas. Ouais. Là, c'est la merde, c'est l'apocalypse dans le rallye, les voitures, les 2 roues, je crois qu'ils ne montent pas, les 4x4, c'est la merde, il pleut à plein temps, ça s'est pas arrêté. Il y a un blocage par spécial. C'est ça, les départs, on les prend 2 heures après l'heure de départ prévue, enfin ouais. Bref, c'est un enfer. Je crois donc, qu'il y a 3 heures de départ à la fin de la journée, 3 heures de retard sur l'horaire prévu. C'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils annulent la Pichaga, là, la première spéciale qu'on a faite le samedi matin, ma préférée, trop dégoûté. Voilà, la 5e spéciale. En gros. En plus, ils l'ont raccourci. Ouais, c'est ça. Donc, après la Saint-Grégoire dont on sort là et où ça a été une catastrophe, en fait, il en restait que 2 spéciales. 3, 2, 1, fuego! Dans en rallye, on part par catégorie. Les SSV partent en premier, c'est-à-dire on est vraiment les voitures ouvreuses. Les 4x4 partent après nous et les buggy partent en 2 vagues ensuite. Donc nous, en fait, on est toujours les premiers à partir et on a les pistes propres. Enfin, les pistes, elles sont vierges. Ouais. Tu fais les traces, quoi. En gros, tu fais des traces pour tout le monde. Par contre, au 2e passage, t'as toutes les voitures qui sont déjà passées une fois. C'est-à-dire qu'honnêtement, là où dans un droit de 90, t'arrivais en face d'un buisson, eh ben, en général, quand tu repasses, le buisson est disparu. Et c'est-à-dire que là où tu avais avant une piste, tu en as dorénavant 10. Voilà. C'est-à-dire que tu as 10 trajectoires possibles, tu as des trajectoires... Tu passes d'une départementale à une autoroute. Voilà, c'est ça. T'as des points de corde qui viennent de on sait pas où. Enfin, par contre, on est pas mal. Enfin, on a bien roulé dans celle-là. On a fait une merde un peu à un moment donné. J'ai pas réussi à la faire basculer et ça m'a saoulé. Putain, en plus tu me l'as dit, c'est ça le pire. Tu m'as dit que tu reprends les freins trop tôt. Putain, mais quel gordou, arrête d'être con. C'est pas possible de se concentrer et de revenir correctement. Attention au panneau. Non, c'est OB. Hein? Non, c'est OB. OB. Non, c'est panneau. À gauche. J'ai essayé de rentrer ma tête telle une tortue. Moi aussi j'ai fait pareil. J'ai rentré ma tête et j'ai serré mon cul. Mais bon, on roule bien, on récupère 7 secondes, puis on commence à avoir un meilleur feeling dans la voiture, enfin on s'habitue à ces conditions de merde là. Donc on fait le scratch, on récupère 7 secondes à Pierre, donc on grignote un peu. Assistance, et là on repart dans Saint-Grégoire en se disant bon, cette fois on va essayer de. On l'a fait une fois déjà, donc ça permet déjà de savoir où on va mettre les roues, essayer de s'appliquer dans les épingles, pas faire de merde, que ça puisse être un peu plus cool que venin quoi. Ouais. Et essayer de mettre du gaz parce qu'on est deux à 20 et quelques secondes, ce qui est
potentiellement rattrapable. Ouais. Ça pouvait, on se serait bagarré, mais c'était pas insurmontable d'aller le chercher. Puis ça va vite, ça va vite de perdre 15-20 secondes. Donc là, on se dit que c'est complètement jouable d'aller chercher Pierre. Déjà, quand on a fait une première boucle, quand on arrive sur les spéciales la deuxième fois, on sait où on va, plus ou moins. On sait plus ou moins où on va. Ouais. Du coup, c'est plus facile de mettre du gaz qu'au premier passage où tu sais pas. Moins d'hésitation. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on part dans Saint-Grégoire 2 et honnêtement ça déroule, enfin moi je trouve que ça allait super bien, on fait une super belle spéciale, je mets les roues exactement où je veux, la première épingle on a eu des problèmes, elle est passée nickel parce qu'on a pu placer la voiture, ça roulait bien, ouais. Bien partout, on mettait propre. Du gaz, honnêtement je pense qu'on était en train de faire la plus belle des spéciales du week-end. Attention. Non, ça arrangeait pas ça. C'est défoncé, sérieux. Ouais. Oh là là, comment ils ont jardiné là. Et sauf que. Arrivé à quoi, 1 km de l'arrivée? Ouais, même pas. Sans signe avant-coureur, sur une accélération dans une ligne droite. C'est la boîte, le moteur? Je sais pas. Non, le moteur il tourne. L'arme de transmission peut-être. La courroie nous a déconfié. il y a eu comme une odeur un peu âcre. Âpre ou acre? Plutôt acre. Ouais. Il y a eu comme une odeur et un panache de fumée dans l'habitacle. De type pneu brûlé. Voilà. Et ce qui nous était arrivé depuis, ce qui nous était pas arrivé depuis très longtemps, parce que je dois dire qu'on 2017. Roule depuis 2016 et on a fait quoi? 2 courroies maintenant. Une en 2017 et une maintenant. Ouais. Ça nous était jamais arrivé. Et bah la courroie elle a pété. Et en gros la courroie bah elle pète, bah t'es comme un con parce que la voiture il n'y a plus de transmission, t'es là comme une burne. On peut la changer mais ça te prend au moins 5 minutes donc autant dire que c'est mort. Ça prend 3 minutes sur du goudron avec une machine propre. Donc voilà, c'est donc ça. Dans la montagne, dans la boue avec une machine bouillante, voilà, ça prend le double. Donc c'est mort quoi. Au final on reste entre le moment où on percute, on descend et tout, on fait signe au commissaire parce qu'il faut quand même qu'on puisse se mettre en sécurité et qu'il n'y ait pas un mec qui arrive pleine balle derrière et qui nous percute. Bon là, il y avait de la visibilité, mais le temps qu'on fasse tout ça et tout, qu'on change la courroie, il y a même un commissaire qui a essayé de venir nous tracter, donc on lui a dit non, c'est bon, on change la courroie et on repart. En plus, c'est une panne à la con, la courroie elle explose. Bah, tu ouvres le carter de variateur, tu la sors, t'en mets une neuve, tu refermes et la voiture elle est comme neuve. Et normalement, c'est quelque chose que la courroie, nous, on la change chaque jour de rallye. C'est-à-dire la courroie, elle a 6 spéciales, on la change et on refait 6 spéciales. Là, on avait prévu normalement de la changer plus tôt, étant donné qu'il y avait plus de spéciales, mais vu qu'ils en ont annulé j'y pense tout le temps à la courroie. En 2017, ça nous a fait louper la victoire au Dunay-Marais, alors c'est un peu comme un fantôme qui est toujours derrière. Une épée Damoclès. Exactement, une courroie de Damoclès. Et sauf que là, toute la journée, j'y ai pensé, je me suis dit, bon, bah, on la change pas dans l'avant-dernière, du coup, étant donné qu'ils ont annulé des spéciales, on la changera à la dernière, ça fera 6 spéciales, on sera bon.
Et le fait est que les autres l'ont changé et que nous, on n'a pas vu ce qu'ils faisaient et puis qu'on n'y pensait pas. Enfin, moi, j'étais parti à changer à la fin de la journée. Et que là, bah, elle a explosé, quoi. Voilà. Donc au final, on a perdu 11 minutes, je crois. Ouais. Dans la spéciale. Donc on a bloqué la spéciale. Ouais. Donc les autres ont eu un temps forfaitaire, hein, ceux qui ont pu partir. Donc on se retrouve 10e, on n'est pas hors rallye parce qu'on a réussi à remettre en route et à repartir, donc on n'est pas hors temps. Non. On a pointé à l'heure. On a tout pointé à l'heure. Sauf que bah voilà, on est 10, on est à 6 minutes, donc là ça a beau être les cimes, faudrait peut-être un jour de plus pour arriver à rattraper 6 minutes et encore, bien que le lendemain ils en ont chié, donc peut-être, mais enfin bref, on n'y croit pas. Donc voilà, c'est fini pour nous quoi. Là où il y avait vraiment probablement quelque chose à faire et vraiment se marrer, encore une fois, même chose qu'au Gers. Le rallye là-bas, les cimes, c'est vraiment super dangereux. Tu peux vite faire de la casse, tellement bien que là, déjà, ça nous avait coûté un pneu, deux triangles. Donc on décide de s'arrêter là. Voilà, pour pas faire plus de frais, pour pas se faire de mal. La voiture, elle était relativement entière. Ouais. Donc on s'est dit, allez, on s'arrête là. En plus, il faisait un temps de merde et on a eu raison parce que le lendemain, ça a encore été un enfer, a priori. Ouais. Ils ont annulé des spéciales, enfin bref. Donc voilà, on a arrêté là. Ça a été un rallye quand même assez compliqué. Personnellement, je crois que c'est le rallye le plus dur que j'ai fait dans les conditions les plus compliquées et là où le pilotage était le plus exigeant. Ouais. Parce que les conditions, c'était un peu les mêmes choses qu'au Labour, mais les spéciales sont... Bah, Labour, plus... c'est que de l'empirer, quoi. À part Gatubiag où il y a un peu cette pellicule de merde. Mais non, encore, ce que je veux dire, c'est que les conditions météo, c'était à peu près le Labour. Mais par contre, les conditions au sol, c'était mille fois pire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un truc. Il y avait du grip, au Labour, il y avait du grip par terre. Là, ce qui était intéressant, mais derrière, parce que c'était un enfer en termes de conditions. Après, moi, perso, je peux pas dire qu'en termes de pilotage, j'en ai pas pris de plaisir. Au contraire, c'était quand même plaisant, parce qu'il y avait des changements de grip, des changements de trajectoire. Enfin, c'était quand même. Moi, j'ai bien aimé conduire dans ces conditions. Et puis, en plus, moi, dans le gras, je suis à l'aise, ça se voit. du coup, voilà, c'était cool. Après, ça fait chier parce que je reste persuadé qu'il y avait moyen de faire un truc cool, quoi. Et ça aurait été beau de pouvoir gagner les cimes en arrivant comme des touristes et de gagner le pire des rallyes dans les pires conditions en n'ayant même pas fait de reco. Je trouve que ça aurait pas manqué d'une certaine noblesse. Ouais, un peu de panache, quoi. Exact. Donc voilà, voilà le récit de... Voilà, on vient de vous narrer notre week-end. Voilà. Notre fabuleuse épopée. Exact. Donc maintenant, rendez-vous aux dunes et marais. C'est-à-dire que nos deux objectifs de vie se suivent l'un après l'autre. Les cimes sont finies. Maintenant, c'est le rallye chez nous. C'est presque sûr qu'on fera des recos, même si je ne suis pas sûr que ce soit le rallye qui le mérite le plus. Ouais. Enfin, c'est pas une question de mériter. Je ne suis pas sûr que ce soit là où c'est le plus important. Ouais, ouais. Quoique, ouais. Quand même, vu que ça roule vite, c'est engageant. Parce que ouais, c'est, y a des endroits, c'est tellement ouais. Faux. Donc... Et après, puis il y a les spéciales de bris dans les bois où c'est toujours bien de savoir où sont les arbres. Ouais, c'est vrai. Puis les bidons, quoi. Donc voilà, là c'est le rallye qui est chez nous. Le rallye des bidons, c'est vrai. C'est l'Audi bidon. Du coup, on va faire sûrement des reconnaissances et on va essayer de faire en sorte que ça puisse bien se passer pour essayer de scorer, quoi. Ouais. Puis de faire quelques vidéos. Ouais. Voilà.